Bonjour, c'est Christian de Swimfa.com. Aujourd'hui, on va apprendre à plonger pour les débutants. On a eu beaucoup de demandes pour les gens qui ne savent pas plonger sur notre channel, donc on va vous faire une petite démonstration pour apprendre à plonger en 3 étapes. Donc c'est super simple en fait de plonger, il ne faut pas se stresser. Le plus important, c'est d'apprendre à rentrer la tête pour pouvoir rentrer dans l'eau avec les mains en premier, glisser jusqu'à ce que la tête cachée sous les bras puisse passer, le reste du corps et les pieds en dernier. On va vouloir éviter de faire un gros plat, bam, qui va vous faire mal au ventre, et on va vouloir éviter de faire une fusée qui va vers le fond de la piscine. Vous allez avoir un plongeon qui est inefficace, vous allez aller trop profond, en plus vous allez peut-être taper le fond de la piscine, donc c'est dangereux. Le but du jeu, c'est quand même de glisser vers l'avant. Donc, le concept du plongeon, c'est rentrer dans l'eau avec les mains, pénétrer l'eau sans faire un gros splash, et glisser vers l'avant tout de suite après. D'accord ? Donc on est un débutant. Je stresse un petit peu, j'ai pas l'habitude, ça me fait peur, par contre ça a l'air sympa, j'ai envie d'apprendre. Vous prenez pas la tête, vous pouvez commencer à apprendre là où vous avez pied, en étant assis par exemple sur un escalier ou assis sur un muret, d'accord? Donc il y a un mètre de fond, il n'y a pas de souci. Le but du jeu, c'est d'apprendre à rentrer la tête cachée sous les bras. Donc là on est en position de flèche, d'accord? Cachez bien la tête, menton poitrine, on ne doit pas voir la tête dépasser. Quand vous rentrez dans l'eau, ne levez pas la tête. Beaucoup de débutants lèvent la tête, ça c'est une erreur, hein. Baissez la tête sous les bras, regardez vos pieds. Vous touchez l'eau en premier avec les mains. Et ensuite, vous allez glisser vers l'avant. D'accord ? Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Yann Gona. Hello guys. Qui va m'aider en fait sur cette démonstration. Donc Yann, premier exercice, on va essayer pour un débutant donc, de se positionner. On s'assoit sur un muret. Voilà, il n'y a pas de hauteur, c'est tranquille. On se positionne en flèche. Donc la flèche, on est bien d'accord. La tête rentrée sous les bras, le menton sur la poitrine. Voilà, le dos positionné. Là, on va se laisser tomber vers l'avant, toucher l'eau avec les mains et pousser sur le mur. Et on glisse à la surface de l'eau. Simplement. Quand je glisse à la surface, je souffle avec ma bouche ou avec mon nez pour faire des bulles. Et sinon, voilà, je me laisse glisser, je me détends. Ok, parfait. Donc ça, c'est l'étape numéro 1. Ouais. Donc je rentre dans l'eau doucement, les mains en premier, je glisse à la surface. Impeccable. Étape numéro 2. On va faire la même chose avec un petit peu plus de hauteur. Donc c'est pas encore debout, on s'assoit sur les talons, on commence accroupi. Voilà, donc là on est accroupi. Donc l'idée c'est, on va pas encore sauter, on va faire exactement pareil. On va se laisser basculer, on bascule et on pousse. Impeccable. Donc l'idée c'est bien de se laisser tomber et quand on sent qu'on tombe, à ce moment-là, on pousse sur les jambes pour glisser. Hein ? Pas la peine de sauter en hauteur, pas la peine de sauter vers l'avant, juste sentir la bascule, le déséquilibre vers l'avant. Parfait. L'étape numéro 3, on va pouvoir rajouter les mains. Donc en fait, pour se donner un petit élan, on va écarter les bras sur les côtés. Parfait. Et au moment où on va, donc on va se sentir basculer vers l'avant, bascule, 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 là, vas-y, jusqu'à ma main, là je te bloque avec la main, là si je le lâche, il va tomber. Donc au moment où on sent le déséquilibre, là on va jeter les bras vers l'avant et on rentre la tête, doucement. Ok, je t'ai arrêté, tu me l'as fait ? Allez, vous voulez y aller là. Parfait. Donc en fait, l'idée c'est la flèche, on la commence sur le côté. On attend de tomber vers l'avant. Quand on tombe, on jette les bras, on rentre la tête. Et hop là, et on glisse. Impeccable. Donc le moment où on jette les bras, c'est le moment où on sent qu'on va tomber. On jette les bras et donc on rentre la tête dessous les bras. C'est bien ça ? Parfait. Au moment où je touche l'eau, qu'est-ce que je fais avec les mains, Yann ? Je m'étire. Objectif, ne pas descendre au fond de la piscine. Objectif étant de toucher l'eau, glisser vers l'avant. D'accord ? Bon bah super Yann. Merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.